Bonjour, je m'appelle Alan Huang, je suis un prof à Collège Vanier, qui est un cégep anglophone, j'enseigne l'anglais, if you can't tell. I'm going to say the rest in English. So I have a doctorate in an individualized program, so it's really just a doctorate in philosophy, from Concordia. I wrote my dissertation on LGBTQ, racialized activists in Montreal, and basically how they used disidentification to find belonging in Montreal and in various institutions. So I am your moderator today, and I can read in French, that's not a problem. I'm blind, so up and down. Okay, so the premier présentatrice, Julie Ravary-Pilon, et le titre de son présentation est Lose Your Shirt, We Don't Have Time, figure lesbienne comme dispositif comique hétérosexiste dans les segments Nick the Gardener du Ellen DeGeneres Show. Sans bio, Julie Ravary-Pilon est chercheuse postdoctorale à l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM. Elle est membre du comité éditorial de la revue universitaire Nouvelle Vue et vice-présidente de la Film Studies Association of Canada. Son livre « Femmes, nation et nature dans le cinéma québécois » est paru aux presses de l'Université de Montréal cet automne. Son projet de postdoctorat porte sur les liens entre discours féministe et plateformes socio-numériques, ainsi que sur l'histoire des théories de la quatrième vague féministe. Et bienvenue, Merci Julie. Beaucoup, Alan. Merci. Merci à tout le monde d'être là. Donc, j'ai fait ma présentation en français, mais je suis plus couverte pendant la période de discussion, parler en anglais. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions en anglais. Je veux remercier bien sûr Martha et Joël. Ça a vraiment été un 3 jours extrêmement riche. Je le sais que tout le monde dit ça, mais je le pense vraiment. Donc, croyez-moi, j'ai appris énormément. J'ai essayé d'intégrer aussi. Il y a beaucoup de parties de certaines de vos présentations là, qui m'ont porté à imprimer mon texte juste en fin de soirée hier parce qu'il y a trop de belles choses qui ont été présentées en fait. Donc, sans plus tarder pour ne pas dépasser mon 20 minutes. Donc, en novembre 2014, apparaît sur le site web du Guardian un article intitulé « Is it time to have a conversation about objectifying hot men on day television? » Bonne question, importante question. L'auteur de cet article pose cette question à Chloé Angal, une journaliste de la populaire communauté web Feministing. Elle prend l'exemple de l'émission étatsunienne la plus populaire à cette époque-là de la case Daytime, The Ellen DeGeneres Show. Alors, je cite, « I think the context is really important. It's daytime television, so it's aimed at married middle-aged women, so it takes a lot of the potential for the sex to ever be act on. And it's presented by America's most visible lesbian, so that takes so much of the risk out of it, it takes a lot of the sex out of it. » En gardant cette citation en tête, j'aimerais qu'on visionne un court extrait d'une émission de 2014 durant laquelle Ellen reçoit les animatrices du nouveau talk show à l'époque qui allait sortir en 2014, The Real. I want to give you a gift on your new set. I noticed, you know, I added, it took 12 years for us to figure out we should have a lot more plants because they add a lot of life. So I had my gardener Nick put something together. Nick, he takes care of all the plants with me. How are you? It's hot out there. How are you keeping so cool? A lot like this. Okay. Alors, je veux juste reformuler le constat d'Anguial. Donc, comment, grâce au fait qu'Hélène soit lesbienne, le déshabillage de son jardinier soutirerait le sexe et préviendrait le risque d'une tentation sexuelle des femmes mariées d'âge moyen. Insérer le sarcasme un peu n'importe quel endroit dans ma dernière phrase. It is presented by America's most visible lesbian, so it takes a lot of the sex out of it. Je dirais que si le sexe on le cherchait, il est là. Oups. Là. En bas ici, il y a même une fille qui fait du vélo.
qui veut s'en aller quelque part. Donc, mais il y a Hélène qui est toujours, qui n'a pas l'air de trop savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, ce qui est retiré, c'est davantage le désir sexuel de l'animatrice qui non seulement n'est pas allumé par le torse nu de Nick, le jardinier, mais qui en plus semble complètement incrédule face à la réaction enflammée de ses invités sur le plateau. Les cris du public qu'on assume comme étant tous des femmes hétérosexuelles ou des hommes gays marquent dès le début du clip la connivence du public avec cette répétition de la figure du jardinier qui n'en est pas à sa première visite sur le plateau. Malgré le fait que le show porte son nom, Hélène serait en fait la seule à ne pas savoir ce qui va se passer entre son public et son invité, récurrent encore une fois. Et ce, pour la seule et bonne raison qu'elle est lesbienne. Une figure d'un homme gay est également incluse dans un des segments. Donc, en fait, ils vont faire des auditions parce que Nick va avoir un caméo dans Magic Mike, qui est un film, Magic Mike 2, en fait, qui est un film sur justement le monde des danseurs nus. Donc, elle va faire des auditions et son censeur, en fait, qui n'est pas très... elle va blindfolder son censeur, en fait, qui n'est pas très docile et qui va essayer de regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans les auditions du jardinier. Et Hélène, qui, avant de montrer les auditions, se cache complètement les yeux. Et pas se cacher les yeux comme pour regarder coquinement, là. Vraiment, elle demande à son public, est-ce que c'est terminé? Est-ce que je peux ouvrir les yeux? Donc, voilà. Ces segments humoristiques d'une émission Daytime peuvent paraître comme étant un objet culturel mineur, quelques dizaines de minutes percolant dans un grand paysage télévisuel. Mais ce sont dans ces clips que l'on retrouve l'exemple parfait de l'assimilation par l'idéologie hétéronormative des potentiels du discours télévisuel personnifié par, encore une fois, America's Most Visible Lesbian. C'est dans ces clips comme ceux-ci qu'on retrouve en fait la complexification du backlash apathisant, et je le mets en parenthèse parce que c'est pas vraiment un mot qui existe, comme le disait Angela McRobbie par exemple. Qui est Ellen DeGeneres? Quelqu'un a déjà vu soit son sitcom Ellen ou son daytime talk show Ellen DeGeneres, quand même très, très populaire. Quelques points importants sur sa carrière qui aiguilleront mon analyse inductive, mais surtout, je pense, une compréhension des implications politiques des négociations sexuelles dans ses clips de Nick de Garner. Donc, avant tout, Ellen, elle est la figure du sitcom Ellen, 1994 à 1998. Ici, j'ai choisi, bien sûr, le très populaire Puppy Episode. Donc, cet épisode-là rassemble 42 millions de publics et multiplie les viewing events du Puppy Episode, dans lequel elle fait son coming out en tant que personnage, mais aussi en tant que comédienne. Donc, le Puppy Episode, ça s'appelait comme ça parce que lorsque les scénaristes de la série ont proposé en fait de donner de mettre le personnage d'Hélène en relation avec une autre femme, parce que tous les autres personnages autour étaient tous en relation hétérosexuelle, les diffuseurs à ABC ont dit ben ça a tellement besoin d'une relation, achetez-lui un chien. Donc ils ont appelé ça humoristiquement the puppy episode. Donc en fait ce qui va arriver c'est qu'elle va dire en fait au personnage joué par Laura Dern I'm gay. Et puis par la suite, elle va aller aussi sur le talk show de Oprah, en fait une petite prémonition parce qu'elle va prendre la place de la case horaire de Oprah lorsque Oprah va quitter son talk show. Donc elle est une icône culturelle gay tout à fait que vous connaissez peut-être. En fait, j'ai le très bon site After Ellen, donc qui parle en fait des représentations des personnages lesbiens à l'écran After Ellen, donc justement marquant comme une période avant et après son coming out, The Outlist qui a été aussi un documentaire, et Jamie Skursky dans From Primetime to Daytime, The Domestication of Ellen DeGeneres. In retrospect, there is little disagreement that DeGeneres launched the era in 1997 of the new gay visibility. Et puis ça, on pourra en parler, bien sûr, pendant la période de questions. Mais c'est juste pour vous donner un contexte, en fait, de l'importance de la figure d'Hélène dans la culture états-unienne et internationale aussi. The Ellen DeGeneres Show débute en 2003 et on est maintenant à sa 16e saison, renouvelée pour une 17e. Elle remporte 59 Daytime Emmy Awards, surpassant le record détenu par Oprah, pardon. Sa chaîne YouTube du Ellen Tube figure parmi les 20 chaînes les plus populaires sur YouTube, les 20 chaînes les plus populaires sur YouTube, oui, avec le plus d'abonnés. L'extrait de Nick offrant une plante aux animatrices de The Real, c'est 6 millions de vues seulement sur sa chaîne YouTube. Je dis seulement parce qu'en moyenne, ça rassemble 4,2 millions de téléspectateurs par la chaîne câblée, sans compter les rediffusions.
On ajoute également à l'attirail de l'animatrice, entre autres, l'émission Ellen's Game of Game, mais aussi l'application très populaire pour appareils mobiles Heads Up, en fait, qui est un petit jeu là, de devinettes, de personnalité ou de mots, contribuant au récit transmédia d'une personne drôle, ludique et pour toute la famille. Donc, ça, c'était une présentation quand même assez générale. Donc, une persona qui est très... Cette persona-là, drôle, ludique, donc les slogans de... Par exemple, je peux vous mettre ça ici, les slogans « Have a little fun today », ça fait partie de la chanson d'ouverture. Et elle termine toujours ses shows en disant « Be kind to one another ». Donc, une persona très éloignée de ce qu'imaginaient les militants queer s'étant déplacés pour les viewing parties du Poppy episode. Un virage populaire insoupçonné également, et certainement par les diffuseurs d'ABC en 97, qui lui ont collé l'intertitre de « Parental advisory because of explicit content » dans les émissions dans lesquelles Hélène embrassait une femme. Avant de le canceller un an plus tard, malgré le fait qu'elle a gagné multiples Emmys et qu'elle avait de très bonnes cotes d'écoute. Selon les dires de l'animatrice, après l'annulation de son sitcom Ellen, elle s'auto-exile du milieu pendant plusieurs années pour revenir avec force avec son talk show 5 ans plus tard. Elle ne retournera d'ailleurs pas sur ABC pour son Ellen DeGeneres Show, mais plutôt vers NBC. Donc jusqu'ici, effectivement, c'est un conte de fées, un récit mythique d'une comédienne qui se tient debout et qui retrouve sa place, une plus grande place dans le milieu télévisuel malgré les obstacles mis sur sa route par des producteurs et diffuseurs oppressifs. Or, 20 ans plus tard, on se surprend à entendre cette icône lesbienne ordonner à un mannequin musclé « Lose your shirt, we don't have time ». Donc, prémisse du segment, donc je vous ai montré la scène avec la plante, donc on n'entendait pas ces mots exacts, là, ils sont tirés de l'extrait suivant. Donc, prémisse du segment, Hélène reçoit en fait des demandes de conseils de ses fans étudiants qui sont dans leur college exam, et notamment une femme qui a le cours « Human Anatomy », donc Hélène a le parfait accessoire pour lui parler de Human Anatomy. Do you have any tips on how to memorize the parts of the body? Maddie, visual aids help with memorization, and I'm going to bring out someone who is too pretty for college. Nick, come on out here. Nick, I'm glad you're back. Nick was actually, he had a part in Magic Mike 2. You were shooting the sequel. How did that go? It was amazing. It was a blast. Tell me all about it. Well, we don't have time. Just lose the shirt. Maddie, these right here, these are abdominal muscles. And most people have 6, but Nick has like 12 or 14 or something like that. Bon, j'ai juste gardé cet extrait-là pour le temps qu'on a, mais notamment, j'ai un extrait un petit peu plus grossier où est-ce qu'elle va parler. Elle va avoir un étudiant qui parle de précipitations météorologiques, puis elle va faire rain de l'argent et Nick va venir ramasser l'argent. En tout cas, ce que je trouve particulièrement intéressant dans cet extrait, c'est la migration de l'affect comique vers le public. C'est dans les émissions de daytime qu'on retrouve le plus de prises sur le public. On les entend dans les game shows et certainement dans les sitcoms, comme nous a parlé Alfred Martin hier, en fait. Mais on ne voit que le public très rarement. Alors que, ben, puis il y a également, bon, j'avais nommé les grands plateaux comme tout le monde en parle, où est-ce qu'on voit le public, mais l'interlocuteur agit un peu comme un écran. Mais dans The Ellen DeGeneres Show et surtout peut-être dans les talk shows, on va régulièrement dans la salle au sens où au montage en régie, on coupe à ce que j'ai appelé une prise publique. Je connais pas le terme exact, peut-être que certains d'entre vous le savent, mais on coupe au public finalement. Et dans les segments de Nick DeGarner, selon mes calculs là, de plusieurs autres segments, on coupe une fois et demie à deux fois plus que dans les autres segments humoristiques comme Practical Joke Monday, 5-Second Rule Game ou Thank Gif, It's Friday. Donc, beaucoup plus davantage de prises de visuels. On entend les rires très souvent dans cet extrait-là, mais on va couper davantage à des prises publiques dans les segments Nick DeGarner. Donc, le constat cardinal de ma présentation serait en fait que dans la majorité des segments humoristiques de The Ellen DeGeneres Show, on assiste à une forme de tokenisme de la personnalité lesbienne d'Hélène. J'y reviendrai. Alors que dans les segments de Nick DeGarner, et uniquement lors de ces segments, la figure lesbienne d'Hélène est renvoyée dans la marge le temps de mettre en scène un désir sexuel qui serait pas menaçant pour la sphère domestique dominante qu'on conçoit comme hétérosexiste. Cette fameuse middle-aged woman que Chloé Angal imagine même en 2014.
Elle devient une devise comique. On ne rit plus avec elle, mais on rit d'elle. Une figure lesbienne comme une devise comique pour le public. Une observation sur la communauté imaginée du public par le comique, par le rire commun, qui s'inscrit peut-être, et j'en parlais tantôt, dans les constats d'Alfred Martin sur les laugh tracks dans les black sitcoms. Le concept opératoire du « penis as a comedy device » de Tim Smith éclaire également une compréhension de l'effacement, voire du dénigrement du désir sexuel lesbien d'Hélène dans ses segments. Donc, dans son mémoire de maîtrise de 2012, Tim Smith, un mémoire qui s'appelle « The Male Body, Male Homosocial Desire and the Comedy Device Penis in Contemporary Hollywood Comedy », donc, il écrit « The current proliferation of gay character in film and television, activism in the news media, and rights and equality, either gain or continuously fought for, current contemporary Hollywood comedy have increased the verbal denigration of homosexual and continue to downplay the homoerotic. Dans ces comédies populaires, the representation of the penis is not eroticized and any positive reference to homosexuality are avoided. The comedic device penis is attempting to assuage the fear of the male body in popular American film by giving the audience a chance to laugh at its representation. » Donc, Tom Gunning écrivait dans Crazy Machine in the Garden of Forking Pack, que dans les créations des gags cinématographiques, il y a toujours à l'intérieur dans ces figures-là, un degré d'espièglerie et un degré de victimisation. Hélène est habituellement celle qui joue des tours, que ce soit avec Sofia Vergara dans les mocks publicités de la compagnie de cosmétiques L'Oréal, Dennis Quaid qui fait du bullying dans un coffee shop, ou encore lorsqu'elle fait sursauter ses invités sur leur siège par différents procédés, tous plus créatifs les uns que les autres. Elle s'inscrit toujours conjointement dans l'espace affectif du public. Sauf dans le cas de Nick DeGarner, dans ce cas-là où le désir sexuel est mis en scène. Dans ce cas, et encore une fois seulement dans ce cas, Hélène est la victime du gag, une posture de victime qui s'apparente à ce que Anna Gatsby qualifie de « self-deprecating humor ». And I built a career out of self-deprecating humor. That's what I've built my career on. And I don't want to do that anymore. Because do you understand? Understand what self-deprecation means when it comes from somebody who already exists in the margins. It's not humility. It's humiliation. I put myself down in order to speak, in order to seek permission to speak. And I simply will not do that anymore, not to myself or anybody who identifies with me. Pardon, j'ai sauté une slide. Donc tantôt je parlais de tokenisme. C'est par une forme de tokenisme qu'Hélène négocie sa place, selon mon analyse, dans la culture populaire, dans, et je précise, The Ellen DeGeneres Show. Mon commentaire ne rejoint pas du tout, ne s'inscrit pas dans mon analyse de Ellen, qui est complètement différente, et j'en parlerai en conclusion. Donc, pour moi, elle s'inscrit dans la culture populaire, dans The Ellen DeGeneres Show, comme un tokenisme au sens où l'entend Dana Cloud. A token is the cultural conception, construction of a successful persona who metonymically represent a larger cultural grouping. Token, as the word implies, are a medium of exchange through which group identity, politics, and resistance are traded for economic and cultural capital within popular cultural space. Tokenism glorified the exception in order to obscure the rule of the game of success in capitalist society. Posture qu'elle ne prenait pas dans son sitcom Ellen. Son identité sexuelle comme résistance est jugée par les diffuseurs comme dangereux pour les enfants avec le parental advisory sign, et son sitcom cancellé un an plus tard après son meta coming out. Très loin de la glorification de son identité à des fins capitalistes dans le cas du sitcom Ellen. Phénomène que j'observe dans The Ellen DeGeneres Show. Un phénomène de reproduction, en fait, de cette hétéronormativité sur laquelle je vais arriver dans... Je vais juste sauter ça, pardon. Lynn Joyrich écrit dans Queer Television Studies, « Current flow in mainstream, TV has maintained its place as the most mainstream of US media institution, dominated by programming and advertising designed for mass audience. » It is also for this reason that TV has had an intensely political history as a domestic medium located in the home. It has long provoked concern about its influence on politics, social dynamics, and cultural values, as well as its impact on the more minute politics of everyday life, personal relation, and intimate relation. C'est moi qui souligne a domestic medium located in the home, parce que c'est ce qui m'intéresse, notamment par la daytime television.
Si la domesticité de la complexe TV ou les modes de visionnement de la télévision par contournement a quelque peu migré, les objets télévisuels appartenant à la grille horaire de la daytime television sont possiblement les plus imperméables à ces changements influençant la narratologie télévisuelle, les dispositions de visionnement et l'éclatement des publics. On n'a qu'à lire la citation de Engel de 2014 en introduction qui pose ses œillères cathodiques sur la mère d'âge moyen qui passe ses journées à la maison et qui fantasme sur Nick de Garner en visionnement direct en deux brassées de blanc. L'émission Daytime représente l'une, sinon la plus forte concentration des vestiges de cette histoire de la télévision comme domestic medium located in the home, et cette sphère domestique rejoint par la Daytime Television et dans les années 2010 aux États-Unis conçue comme hétéronormative. Il me reste 30 secondes. Allen et Mendez, dans leurs articles Hegemonic Heteronormativity Towards a New Era of Queer Family Theory, proposent que l'hétéronormativité est fondée sur un système privilégiant trois composites binaires, Gender Ideology, Sexual Ideology et Family Ideology, des composites qui résonnent dans tous les programmes états-uniens de la Daytime Television, il me semble. Je ne lirai pas la citation parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Non, c'est important que je la lise. We agree that heteronormativity has fundamentally, primarily, and historically privileged cisgender men and women, heterosexuality, and nuclear family. However, we argue that this extended understanding of heteronormativity no longer captures all the ways in which heteronormativity now operates. Heteronormativity has the ability to evolve relative to change in social and political climate, which have legalized and normalized, faudrait mettre des, but not all monogamous, gay, and lesbian. En somme, il me semble qu'une analyse de ces segments à la lumière du concept en trois temps de l'hétéronormativité de Allen et Mendez nous permet d'avancer que la figure d'Hélène DeGeneres agit comme dispositif comique permettant l'inclusion d'une figure lesbienne acceptée, hétéronormative, par le fait que son désir sexuel soit complètement évacué de l'espace du désir créé par la mise en scène du corps de Nick. L'approche offerte par la théorie queer critique l'hétéronormativité, interroge, complique, déstabilise les intersections entre les identités sexuelles, de genre, de sexe et les zones de pouvoir définies par l'hégémonie dominante. Toujours selon Allen et Mendez, historiquement, la théorie queer s'est interrogée sur les catégories ontologiques, binaires, traditionnelles, historiques et omniprésentes produites et reproduites par le biais d'institutions hétéronormatives. En plus de son fondement dans la construction sociale, la théorie queer implique une prise en compte des manières de, et je les cite, « reproduire et résister l'hétéronormativité ». Pour moi, ici, on résistait. Pour moi, ici, on reproduit. Merci. Sorry about that. Well, I talked for 2 minutes at the beginning, so so it's okay. Maintenant, il y a des questions pour Julie. Are there any questions for Julie? We have 10 minutes. 10 minutes. Oui. Perhaps one comment and then one question. First comment is Disney has bought ABC like in 1995, so is there perhaps any way that you may have a link between the fact that Disney owns like half of Hollywood, half of media nowadays? Okay. That's and a good may point. Have something to do with that. Mm-hmm. And second question, you said about the fact that all you said, is there a link perhaps with what we heard this morning about Italian series, mm-hmm. and the fact that gay people are seen only as asexual people? Absolutely. There is nothing on sexual sequences. Oui, non, ben, absolutely. I mean, what Federico and Giovanna were saying about the erasure of the sexuality and the, it's completely made. Absolutely, you're totally right. I think that is something that we see a lot. It was a different context, a different era. I'm just always surprised that the point that I wanted to make is that how we consider Ellen as this like iconic lesbian celebrity and it's almost a symbol that it's used a lot to say like I don't know who we are, but we've come this far with the most popular talk show is by a lesbian, but a very particular erased sexuality lesbian, unfortunately for me, from my point of view. But yeah, thank you, totally right. Tu as parlé un peu des paratextes, puis de bon, After Ellen, sa page YouTube, etc. Mais tu sais, il y a tout aussi, juste même dans sa façon de vivre sa sexualité avec sa femme. Et sa femme, bon, a pris son nom. Tu sais, il y a comme plein mm-hmm. de choses. Tu sais, il y a plein de choses qui sont, c'est tout à fait correct, il n'y a pas de problème, c'est leur choix. Mm-hmm. Mais la façon dont
mis en scène, tu sais, mm-hmm. comme une espèce de performance de l'hétéronormativité, mais à un extrême assez fort. On parle même presque... En tout cas, j'ai pas l'impression qu'on parle d'homonormativité ici, tu sais. On parle vraiment d'une espèce de reprise de, des codes, puis on la désexualise, en fait, énormément. Mm-hmm. Puis, puis au contraire, sa femme est très sexualisée. Mm-hmm. Puis, en tout cas, c'est assez particulier comme un rapport très... très Ouais, elle a commencé comme un peu le sexe symbole d'Ali ouais. McBeal aussi. Hein. Ouais, c'est ça, Portia, ben, je ne me rappelle plus son nom à elle. Ouais. De Rossi, je De Rossi. Ouais. C'est chiant, c'est... Oh. Ça prouve des affaires. Tu sais, comme s'ils vont aux Oscars ou quand ils vont quelque part. T'sais, c'est vraiment cette une hyper performance d'une hétéronormativité. Et d'ailleurs, elle est souvent accusée. C'est ça, j'aurais envie de t'entendre sur est-ce que tu crois qu'elle-même reproduit des commentaires homophobes, en fait, et transphobes? Parce que... Ben, en fait, j'ai... Al, you talked to me about this, this script that I didn't know about, that she kind of even forced at one point an actor. Mm-hmm. Maybe if you could... Because I think that's a very good example. I didn't know about it until you mentioned it to me. So, and I don't remember how long ago it was, but the actor, Jesse Smollett, was on Ellen's show, and essentially they did an interview, and she was kind of sort of getting him, or trying to get him to come out, and he wouldn't. And then afterward, they sort of did a bumper that ran, like, later, where she literally went to his dressing room and they filmed another segment in which he had a proper coming out so he could actually sort of say the words like, yes, I'm gay. So there's that sort of re-rehearsal of sort of the ways in which, and similar to what I was talking about mm-hmm. Yesterday, is that like queerness can actually never be like for you. It's actually about the knowledge production in a televisual context. Mm-hmm. Yeah. How much is that not helping? Like, it's kind of an ideology of the right re-inscribing the queer or marginalized discourse. Yeah. And right now, and that's what you said yesterday, gays are voting for their extreme right. I'm guessing in Italy is the same thing, no? Is it? Yeah. And university. In America. Oh, yeah, well. Yeah. Well, whiteness is Trump's all. Yeah. Yeah. Yay. Yeah. No, I know it, and I don't want to, because there's a lot of different segments and everything. I chose to focus, and I know I think you can see. I enjoyed so much of the people that took the stage before me talking about not good or bad representation, mm-hmm. and I was like, oh my god, that's what I'm doing. I'm taking a clip like out of its context. I think that. And I was talking with Cal before. There's a couple of segments that are good, and I don't want to say bad or good. This one is totally bad for me. And even if we can talk about the, maybe the some people would say, yeah, but it's inverting like female male. You know, it's now female saying, and I'm like, really, is that's what we want? That's what we want? The same kind of aggression, just reverse role. So there's some. Yeah, good part, but isn't for me, it's the point really of the masculinist or something? Yeah, no, yeah, but very, I don't know. But l'un des problèmes, c'est aussi qu'Hélène n'est jamais dans la position, elle ne peut pas regarder un corps féminin de cette façon. Absolument. Elle est désexualisée aussi. Absolument. Parce qu'il y a un corps masculin stéréotypé, mais elle ne peut pas regarder un corps féminin. Dans les segments avec Sofia Vergara, et là, ce n'est pas du tout non problématique non plus, là, elle lui fait mettre des espèces de ballons. C'était le jeu de se mettre des ballons gonflables le plus possible sous sa robe. Et Hélène est toujours habillée un peu plus, disons, plus lousse que Sofia Vergara, qui porte des vêtements plus près de son corps. Et là, il fallait se rentrer des ballons et tout ça. Et là, il était comme rendu à se chamailler un peu. C'était très érotique, en fait. Oui, on voyait son désir. Là, il y avait une polysémie de sens, qui, dans mon sens, dans ce clip-là, il n'y en a pas tellement. Il y avait une polysémie de sens. Et là, on voyait le désir d'Hélène, mais encore une fois, au profit de quelqu'un qui n'était pas du tout dans le coup, puis qui n'était pas du tout réceptive, pantoute à la mise en scène de son désir aussi. Donc, c'était encore une fois comme un espèce de désir lesbien non abouti. Ouais. Donc, mais il joue un peu de ça, mais c'est jamais explicite comme ça, jamais. Des fois, il va commenter Nicki Minaj qui va venir avec des tenues, là, plus c'est comme un peu le running gag, elle vient avec des tenues le plus
Des fois, ça monte, en fait, le bas de ses seins. Des fois, ça monte complètement, tu sais, sa fesse. Puis elle a dit, tu sais que c'est une émission pour la famille au complet, hein, et tout ça. Donc, elle a slashé, en tout cas. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs niveaux. Mais à certains moments, on pourrait lire en polysémie son désir lesbien lorsqu'elle en fait elle-même objective le corps des femmes hétérosexuelles, jamais des femmes homosexuelles. Okay. Ouais. Are there any other questions? Actually, can I ask one? Yes. I want to talk about Ellen's whiteness. And I'm thinking particularly of Kevin Hart. Yes. When Kevin Hart was accused of homophobia and that sort of thing. And she had him on the show and basically mm-hmm. defended him. En français, on dirait, elle l'a excusé partir de toute son autorité. So I guess that's sort of white intersectionality of, you know, her being a lesbian and her being white. And wealthy, yes. And also taking the comedian stance of, you know, freedom of expression and, you know, that sort of thing, even though she's presented as a nice comic and doesn't insult anybody, that's how she presents herself. So I'm wondering, just sort of, where she started and where we are today in terms of LGBTQ and intersectionality, sort of, you know, now we have all sorts of figures who represent, and she has Twitch now on her show as a DJ, sort of having a little bit of token. That she because he was going to Magic Mike, and what do you say, Epilé en anglais? Just waxing him in front of it. So I wonder, and she's also been speaking of retirement, I'm just wondering, considering all that, what do you think Ellen's place is in the current LGBTQ context as a sort of media figure? Yeah, well, for me, now that this is her platform, and of course, it's probably, I guess when you get a show like this, it's very time consuming. She did the Oscar a couple of years ago, but it's very time consuming, so I would focus on this space. And for me, that's what we think of, or in Utopie, we think of a evolution of mentality. For me, that's a devolution. Completely, because there were so many great things in Ellen, and she was also part of the creative, the narrative and everything. And now for me, it's just, I don't know. And again, we talk about Ellen and everything, and there's a lot of producer, and there's a lot of people also behind it, but I don't think she's the most positive figure in terms of intersectional LGBT figure. Yeah. Time has passed her by. we have time for one more question. Sorry. Okay. No, we do have to go. You both shot up at the same time, so let's go like this. Oui, alors je veux revenir sur cette idée de bonne et de mauvaise représentation. Ouais. Parce que là, quand tu dis, voilà, est-ce que Hélène donne une image positive, etc., la question c'est pour qui et selon quelles conditions. Ouais. Moi, je me rappelle, par exemple, une période où il y avait peu de représentations LGBT. Oui. Et moi, j'étais un très grand consommateur de représentations homophobes, par lesquelles je me suis construit. C'est-à-dire qu'il y avait tellement peu d'espace que même un film comme, je sais pas, Basic Instinct, Queer Nation s'est mobilisé contre Basic Instinct, ça a été décrit comme un grand film lesbophobe, etc. Moi, j'ai vu Basic Instinct à 11 ans, ça a été une expérience incroyable. Mm-hmm. Voilà, donc en fait, c'est pour ça que moi, je suis toujours troublé par cette question des bonnes et des mauvaises représentations. Mais... C'est-à-dire que si on part pas de subjectivités réelles qui se construisent dans la confrontation à ces images, ouais. Je sais pas exactement ce qu'on... Je suis tout à fait d'accord avec vous, et d'ailleurs, je trouve que l'exemple est intéressant parce que effectivement, on le sait, il y a plusieurs films qu'on regarde le début, on regarde la fin, puis on dit ben, c'est très hétéronormatif. Mais au centre de ça, il y a eu de très belles scènes d'amour ou de sexualité gay. Dans l'exemple, et seulement dans l'exemple que j'ai montré, c'est complètement effacé. Donc c'est pour ça que je suis pas capable de trouver, en fait, puis je veux dire, je reviens en fait à la polysémie parce qu'on a reçu aussi une liste de pistes qui était d'ailleurs très utile par la conférence. Et c'était un des points aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une polysémie? Et encore une fois, moi, j'en vois pas dans ce segment-là, pas dans la persona complète et tout ça. Puis là, bon, c'est sûr qu'on faisait... Tu sais, je sais que je fais du cherry-picking. Je sais que je prends un exemple, je le sors, j'ai essayé de le mettre dans son contexte, mais quand même, c'est... Pour moi, sur le spectre de 10, c'est 10, tu sais. Pour moi, ça, c'est mauvais, mais je comprends tout à fait votre point de vue sur des choses qu'on a qualifiées comme
Bon, mais la scène de lesbienne dans Basic Instinct, elle est magnifique quand même. On a juste arrêté avant de regarder la fin, tu sais. On peut juste regarder ça aussi, tu sais. C'est dans ce sens-là qu'on peut investir le sens. Puis une représentation, en fait, il y a une existence. Là-dedans, c'est une complète absence. Complète absence. Donc, c'est dans ce sens-là que je le voyais. So, I will squeeze in one more question. Right, so, my question is, so I will sort of go on record as, like, I hate Ellen. because, and actually, like, I can actually remember the moment that I stopped watching her show was when I watched the Will and Grace retrospective that she had. And there were literally just, like, a cavalcade of white folks as if, like, Will and Grace didn't mean anything to other folks. And so I wanna sort of come back to the question of intersectionality, mm-hmm. because it really feels like, on one hand, part of this is Ellen sort of hegemonic incorporation into the media industry as a sort of the good lesbian, mm-hmm. but also sort of this, in sort of this hegemonic incorporation, like she's actually gotten into the machine versus like pushing against it. So in some ways, like we don't see her like waxing a woman's vagina. We see her waxing a dude. So it's this sort of, and it's also this sort of peak whiteness and the tokenization of, I think, Twitch, and then I think whoever her DJ was before was a black dude as well. Yes. I can't remember what his name was. You're right. So there's like this this sort of like peak whiteness that is kind of a tokenization, and I wonder if you could talk a little bit about that and perhaps how that broadens out from where you are here. Yeah. Well, that's a good question. That's another layer of analysis that I should do for sure. I mean, it's very difficult because I feel that, and again, I'm watching it from a Quebec point of view. The diversity of guests that she has is so much bigger than what we do have on our talk show, for example. So from a standpoint and looking at it, it's way more diverse. After that, I think it's very interesting, and I didn't talk about the figure of Twitch also, and I remember also the other man that was the DJ before. I didn't talk about it that way, but for sure it is a white privileged Californian type of community. And also, I guess you could say that she's very friend with Ryan Seacrest and also other white figure more closely, and I don't know. Yeah, I didn't. I no. I didn't see. I didn't see that way. But maybe I think perhaps you'd be more. Do you have a? I would go take the answer to you. Maybe. I mean, my sort of general comment is just that I think Ellen is garbage. Yeah. And we should actually the way that sort of culture, and I think there's still sort of a segment of queer culture who like hangs on to her for like representational purposes is it makes me want to change my name to Twitch because it makes me twitchy. Okay. But yes, I think I'll look more. And if you had in addition to Twitch, the men that have been DJed for her, would you have any other place of analysis that I should look for in also in terms of maybe what I saw already, for me, that it's very diverse guest, but do you have other examples of stuff I should look at? So in some ways, it's not necessarily about the guests, because mm-hmm. the guest is, the guests represent a kind of temporality, like a sort of, or temporariness. Yes. It's just in some ways, it's about her politic, and in some ways, the shit that she stands for. So on one hand, and obviously she was very much invested from a personal perspective in something like Proposition 8 on her show, mm-hmm. but she doesn't say shit about Black Lives Matter. Mm-hmm.
And so it's like it's that kind, like it's it's that kind of stuff that. And again, I recognize that she wanted to marry Portia, and like in some ways, I want to marry Portia too. but like, so I get it. But like, it was, it's all, it's this sort of blind investment that in some ways sort of speaks to, in a US context, how the fuck Trump got into office. It's sort of that blind whiteness that is about like, I'm down for my cause, but like y'all's causes can go to hell. Even with her, like, she had Michelle a lot on her. What would you make of, I'm sorry I'm taking so much time, but I want your opinion. What would you make, she was a guest animator at one point. There was a couple of people that were taking her chair. Michelle was there a lot for her plan, plan for kids and diet for kids and everything. What would you say of the implication of the Obamas that gave her the Medal of Freedom? The Obamas are a whole different thing because, I mean, the Obamas will always and can never not be black folks, but they are also the black folks that made white people feel good about themselves. Okay, yeah, you're right. That's interesting. And in Obama's sort of first speech about race, it was actually a speech that was sort of a conciliatory tone versus being like, let's burn this motherfucker down and where are black folks' is reparations for slavery, because we're giving reparations to everybody else. And so in some ways, they are absolutely black folks, but they're not raising a fist in protest black folks. Okay. Because the Obamas are 1% too. Yeah. 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 All right. Thank you so much for your input. Sorry for the time. Okay. You might also just want to look at some of the other gay LGBTQ talk show hosts, like Andy Cohen. Yeah, Sarah, the one on the talk, leaving the talk. Sarah Gilbert? Yeah. Yeah. And also in the UK, Graham Norton, who last night had an all-black couch. It was Will Smith, Kevin Hart, Octavia Spencer, and Naomi Scott, who's in the new Aladdin. So aside from the musical guest for Shakespeare's sister, I'm not interested in Shakespeare's sister. Thank you so much. Thank you.